ne sais pas où je suis. I am lost. Στον ουρανό δεν υπάρχουν δύο ήλιοι, ούτε στη γη δύο κυρίαρχοι. La Terre ne peut plus tolérer deux soleils. À droite. Juste à droite. Non, un peu plus. C'est bon. Il va de plus en plus vite. Il perd contrôle. Τίποτα δεν μένει να κατακτηθεί. Il n'y a plus de monde à conquérir. La City nous poursuit toujours. Matt, encore lui. Mais ils ne nous auront pas. Tu me baises, des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Entraîne-moi après toi. Nous courrons. Tu en es sûr? On n'entend rien ici. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous éguerrons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison qu'on t'aime. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Je suis belle comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Dis-moi, toi que mon cœur aime, dis-moi où tu fais paître tes brebis. Quelle est celle-ci? Apparue comme l'étoile du matin, belle comme la lune, lumineuse comme le soleil et redoutée comme un étendard. Will you understand what I am going to tell you? Vous comprenez ce que j'essaye de vous dire? No, you are not going to be able to understand it. That is because I don't understand it. Nobody does. Personne ne le comprend. J'étais de faction près de la côte 44 et il pleuvait. Il n'y avait pas de vent et la pluie tombait tout droit. Accroupi dans la tranchée, trempé jusqu'aux os et grelottant de froid, je pensais. C'est calme ici ce soir, mais là-bas vers le nord, il se passe des choses terribles. Là-bas, en ce moment même, des hommes se font mettre en pièces ou massacrés à coups de baïonnette.
L'homme est un animal qui a mis une robe. Człowiek to zwierzę przebrane w suknię. SMS Interception Center. Joanne, on se retrouve après. Tu m'emmerdes? Que t'es belle. Suis sur un coup, faut que tu signes avant ce soir, 3 millions d'euros. Il a le portefeuille plein de fric, à toute, my love. Il y a longtemps que je ne crains plus le ridicule. Je sais aujourd'hui que l'homme est quelque chose qui ne peut pas être ridiculisé. Oui, tu es belle, mon ami. Oui, tu es belle. Tes yeux sont comme des yeux de colombe. Oui, tu es beau, mon bien-aimé. Oui, tu es charmant. Notre lit est un lit de verdure. Je suis un narcisse de Saronne, un lys des vallées. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon aimé parmi les jeunes filles. Comme tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince, la courbure de tes reins est comme celle d'un collier. Œuvre d'une main habile. Ton nez est droit et fier, comme la tour du Liban qui surveille le côté de Damas. Exagère, là, ton nez est droit et fier comme la tour du Liban. Enfin. D'ailleurs, pourquoi le Liban? La merde! T'as toujours été aussi nulle pour choisir le vin. Pas aussi nulle que toi pour choisir ton mari. Cela te concerne, je crois. Ouais, je m'en fous royalement. Ce qui m'intéresse est bien loin d'ici. Et toi? T'as même pas été foutu d'amener les harengs. Tu t'en souviens des harengs de la grand-mère? De toute façon, nous n'avons pas le temps. C'est sûr. Tu te souviens quand j'ai créé les produits dérivés à Paris? Ah, les belles années, les produits dérivés, théorie des aléas, modélisation mathématique. Et au final, on s'est fait niquer par les anglo-saxons. T'oublies l'informatique et Internet, et la mondialisation. On récupère tout, on fait croire qu'on nous vole, alors qu'on gagne quand même. Au moins, nous mourrons riches. L'homme est pire qu'un virus. Le mal pour le mal. Ne changez pas de cheval
au milieu de la rivière. Tu sais, ma grand-mère était pédiatre. Elle a travaillé dans le ghetto aussi longtemps que le dernier des enfants de l'hôpital pouvait avoir besoin d'elle. Mozart, c'était pas un hôpital. Un mouroir, plutôt. Mais au moins, les enfants pouvaient mourir dans un lit. Il y avait parmi eux les enfants de l'orphelinat de Korchak, dont Ariel. Le bel Ariel, qui avait 13 ans et qui jouait du violon. Et il y avait aussi Zoshia. Elle était plus âgée d'un an. Et il y avait leur amour. L'amour de deux enfants. Ou peut-être de deux adultes. Et ma grand-mère est devenue leur amie. Elle allait les voir tous les jours vers 3h de l'après-midi. Et on bavardait longtemps. Ou encore, elle les aidait à préparer une soirée artistique. Trop de messages tuent le message. Hein. N'oubliez pas. Pourquoi crois-tu que ce vin a un goût étrange? J'y ai mis de la muscarine. Une bonne cuillère à café, comme indiqué dans les instructions. Cette fois, tu as fait un bon choix. Hein? Ah ouais. Excellent. On aura des hallucinations. On aura la chiasse. Et pour finir, un choc cardiaque. C'est bien ça, ouais. On va nous retrouver bien décomposés dans quelques temps. Mais on ne saura jamais que tu baises ma femme deux fois par semaine. Trois fois, mon chéri. Ah, je corrige alors, trois fois. Et si personne trouve nos dépouilles? Oui, mais acceptez-moi, ça n'intéresse personne. Hein? C'est plutôt notre putréfaction que les gens et les autorités vont apprécier. Le spectre rôde autour de l'Europe. Et aujourd'hui, c'est le spectre du nazisme. Et tu veux accuser qui? Hein? Tu oublies Matt. Lui, il n'est pas mort dans d'atroces souffrances. Lui, il savait que le jour de la mort, c'est... Le dernier jour de la vie. Ah, c'est cela. Bergson. Bonjour à tous. As you can see, I'm at the club today. Sorry I can't be with you. Je vous remercie vivement de votre présence. C'est un vrai honneur pour moi être chargé de ce discours à notre ami Matt. As in Mathieu, his given name. Moi, je dis, il vaut mieux mourir riche. Matt avait raison. Parlons-en. Il y a bien longtemps que l'on sait que les gens considèrent tout changement comme un danger. Bah, aujourd'hui, c'est pareil. L'Ukraine. Demain, tout le monde s'en fout. V'là qui est-ce. Quelle connerie. Je restais recroquevillé et tremblant dans ma tranchée peu profonde. Mon fusil plaqué contre moi. La pluie découvrait les corps enterrés à la hâte. Il y avait une odeur de décomposition dans l'air. J'ai vu un homme qui avançait vers moi, bien droit, sans peur. Il avait les pieds nus et des beaux cheveux longs. J'ai soulevé mon fusil pour le tuer. Mais quand j'ai compris que c'était le Christ, j'ai baissé mon arme. Laisse-moi, je dors. M'aurais-tu blessé? Il a demandé d'une voix triste. J'ai dit oui. Et je me suis mis à blasphémer. Tu devrais avoir honte de laisser tout ça continuer.
tu devrais avoir honte de toi. Mais il a ouvert les bras dans le champ de bataille des trempés, devant le barbelé emmêlé, devant les arbres calcinés plantés comme des chicots dans une mâchoire décharnée. « Dis-moi ce que je dois faire, » il a répondu. « Dis-moi ce que je dois faire si tu le sais. » Godard, spécialiste de foie gras. SOS. Ariel jouait du violon et la petite Rivka qui devait avoir 6 ans dansa la danse d'un papillon en train de mourir. Elle était jolie comme un papillon, svelte, et elle portait des rubans de toutes les couleurs, des fleurs en papier. C'est comme un papillon qu'elle s'est endormie quelques semaines après pour plus se réveiller. Et ensuite, c'était le jour de l'anniversaire de ma grand-mère, le premier jour du printemps. C'était le tour d'Ariel de mourir. La grand-mère raconta qu'il mourut péniblement. Son sang l'étouffait et qu'un de taux lui déchirait la gorge. La grand-mère lui injecta de la morphine. Il s'est endormi. Et ce jour-là, c'était le jour de ses 24 ans, la grand-mère a reçu un cadeau extraordinaire dans le ghetto. 3 jonquilles fraîches. Ariel était à la morgue de l'hôpital. Alors elle déposa ses fleurs sur sa dépouille. Elle n'avait rien d'autre pour cet enfant qui aurait dû vivre. So much hard work, getting tired,
My battery voltage is approaching the limit. Soon, now. Fuck. Shit. Asshole. Club today. Sorry I can't be with you. Je vous remercie vivement de votre présence. C'est un vrai honneur pour moi d'être chargé de ce discours à notre ami Matt. Is it Mathieu, his given name? Matt's English was so fucking bad I should do this in French. Who cares now anyway? Quand j'ai rencontré Matt, je savais déjà que c'était un salaud. Il s'est enrichi avec une fausse agence immobilière. Il avait trop de contacts. Trop difficile de trouver la faille pour lui imputer des délits. Bien sûr, il a exploité ses employés. Surtout ceux qui travaillaient en fabrication des armes. Mais il pourrait vendre lui-même directement au pirate somalien pour ses vacances. Okay, okay. Il a passé ses meilleures années à la banque. I have to find money. The man de Jamie Dimon and Lloyd Blankfein. CEOs of those fucking banks. Sorry, just a second. No, not that price. Two words, Jack. Fuck you. Sorry, the banks. Hey, chier, c'est quoi the banks. Ce cirque? The banks. Je me casse. Blankfein, John Tain from Mercer, Charles Prince from Citibank. Même s'il n'a pas partagé leur réputation, il a continué à partager des bureaux avec eux dans des nouvelles aventures. Il allait voir souffrir ses clients. Il réjouissait chaque fois qu'un d'eux devenait un clochard alcoolique. Il regardait amoureusement son œuvre, les milliers de licenciements. Il rigolait voir apparaître les noms de ses collègues à la une dans les journaux, mais jamais le sien. Et qu'est-ce qu'on ne dirait pas de sa vraie passion, la pyromanie? Plus reprise, il est parti en Amazonie pour le plaisir de voir brûler le forêt tropicale. Quand je pense au réchauffement climatique, bon. Je pense à 3000 euros. Il adorait l'art, comme vous le savez, donc il trafiquait dans les tableaux spoliés par des nazis. Cette activité honorable lui a mis en relation avec des ex, des tortionnaires. Et là où vous ne voulez pas être, quand vous regardez sur vos tablettes les infos sur vos portables, en Libye, en Syrie, en Afghanistan. Là, il y avait Matt. Derrière chaque Kalachnikov vendu, chaque arme chimique trafiquée, il y avait un peu de lui. Devenant toujours plus grand, plus fort, surtout plus riche. Plus riche. Citius, Altius, Fortius. Il se moquait de vous. Des dieux, de toutes les religions. Oui. Non, je peux pas te parler. Je suis en mécanique quantique, de principe d'incertitude d'Heisenberg, de boson de Higgs, de la thérapie génique. Putain. Pourquoi j'ai dû cet enterrement? Vous devez la connaître. J'ai dû annuler mon rendez-vous avec le BNP. J'ai perdu mon contrat, 10 millions. Télé. Il n'y avait pas d'autre date? Il a su mettre des affaires sexuelles et preuves autre date? De corruption. La semaine prochaine, je pars aux Seychelles. Après, on amène les filles en vacances. Si arrivé, c'est grâce mais à qui voulait-il? Qu'on garde le mort au frigo pendant 6 mois? Alors, il aurait pu attendre pour crever, quand même. Tu sais, il exagère. Matt was a good man. I mean, not worse than you. Or me. Ego te absolvo, Matt. Thank you.
Però che tu trascorri per le tenebre troppo dalla lungi, avvien che poi nel immaginare abborri. Lorsque ta vue veut pénétrer trop loin dans les ténèbres, il advient qu'en imaginant, tu t'égares. Tout le monde ment, bien mentir. Voilà ce qu'il faut. Échec et mat. Ah, c'est un connard, mat était mieux. Il n'est même pas baisable. Co zrobić z ciałem? Nikt nie życzy sobie zwłok. Que faire du corps? Personne n'accepte le cadavre. Je t'aime, Johanna. Il y avait 3 millions et non 3 000 euros. Nous sommes riches. I zawożą do lodówki. Que faire du corps? Ils l'enferment dans le sac et le mettent au frigo. Je ne sais pas où je vais. Putain de merde.
tout est calme pour celui qui ne veut pas entendre. Cisza, dlatego kto nie chce słyszeć. Acceptez-moi, cela n'intéresse personne. C'est plutôt... Torturers. Les amis de Joseph Mengele. La grand-mère lui injecta de la morphine et il s'est endormi. La bêtise, c'est de vouloir conclure.